sent la belle truite. Je mets un Black Lino pour tout le trou. Merci de m'avoir pris les paillettes. Oh! Oh, cet avion 60! Elle est par là, elle est là, elle remonte, elle est face au... Elle est 55, hein. 55, elle l'est fait, on est d'accord. Elle a suivi, ouais. Elle est bloquée, là, tu vas lui passer pile devant. Elle a pas bougé sur ton leurre. Ouais. Oh, loupé. Ouais. Je l'ai vu taper, là. Il y a un gros reflet là. 35 à peu près. Poisson. Oh non! Elle était belle! Non! Elle est belle, hein? Elle est derrière? 45 plus! Ah! Oh non! À la cuillère! À la cuillère! Ouais. Bah là, pour passer là-dedans, la cuillère c'est top! Tu t'accroches pas! Oula! T'es parfait à la cuillère là pour passer! Tu fais du bruit! Il a eu raison! Stop! Stop! Yes, Alexis! Pas très gros. Même pas maillé. Elle a pas eu peur, hein? La pitchoune. Ça maille pas, tu veux vérifier? Quoi? Non, ça maille pas, t'es sûr? Faut la même chose avec une 40 maintenant. Insiste bien, hein. Avance pas trop, insiste bien d'abord. Là-bas, ouais. Il y a l'ombre, il y a le jus, il y a tout bon là. Ouais, mais je vais y avoir leur soupe, je vais être bon là-bas. Bon, Alexis aussi, il va y passer. Il va en faire une. Allez, voilà. C'était sûr. Bah, c'était pitchoun, hein. C'était pitchoun, mais c'était sûr. Là-bas, c'est sûr qu'il y en a. T'as vu le poste là-bas, là, c'est magnifique. Il y avait tout, ouais. Bon, ça n'a pas donné grand-chose quand on a pêché tout à l'heure au leurre. On a fait quelques petits poissons. Moi, j'en décroche une grosse, comme vous avez pu voir. Alexis fait suivre, je fais suivre. Mais vraiment, ça donnait pas beaucoup. Du coup, là, on s'est posé, tranquille. On va attendre que ça gomme un petit peu. Philou est parti essayer de faire quelques gobages. Nous, on est resté là. On va poser quelques lignes, essayer de voir s'il n'y a pas une carpe qui traîne, voir un barbeau qui traîne. Un truc comme ça, donc on va poser quelques lignes. Alexis est en train de préparer. On va voir ça. Allez. Bon alors ? Plus de gommage ? Bon,
soir du premier jour, après cette petite aventure truite où ça a rien donné au barbeau après, on est parti sur un lac où il y a de la carpe. A priori, Philou est parti manger, il nous rejoint après. Nous, on s'installe, on va passer la nuit ici. On a un cadre qui est super sympa. Le soleil qui se couche gentiment. Donc on va essayer de pêcher la carpe un petit peu cette nuit, jusqu'à je sais pas quelle heure. Ensuite, on va dormir et après, départ demain pour Millau. Voilà. Donc j'espère que ce soir, on va réussir à pouvoir vous montrer une jolie carpe. Au moins une. Le reste, ce sera du bonus. On va pêcher à la bouillette. Et Alexis, au feeder. Il veut essayer un petit peu au feeder, là. Donc on va pêcher un petit peu au feeder aussi. Allez, c'est parti. C'est pas énorme cet épisode. C'est pas énorme. Elle revient sur le bord. Matin du jour 2, on est encore dans la voiture, on se réveille tranquillement au bord de l'eau, c'est super sympa, avec la petite brume sur le lac, c'est magnifique. On va partir tranquille, direction Millau aujourd'hui. Bon, ben là en fait on n'est pas allé jusqu'à Millau, on s'est arrêté à Toulouse sur le canal du Midi. Pour faire une petite pêche coup, Alexis est au feeder sur une canne. Là, il tient ma canne à coup. J'ai bricolé un truc, j'ai monté la canne à fil intérieur. Ça va très bien. On s'amuse vraiment sur des grosses brèmes. Il y a des jolis poissons qui traînent, de tout ce qui passe. Petit amorçage, asticot. Rouge et blanc, c'est ce qui cartouche le mieux là. Et on s'amuse sur des gros poissons. Bon, on va essayer de vous en montrer quelques-uns. Stop fille. Gros poisson pour Alexis. Ah ouais non c'est fat ça. Je sais pas ce que c'est mais. Serre un peu ton frein non? C'est pas faux, je vais essayer de le pousser. Ouf. Ça sent la carpe. Ça sent la carpe. Oh putain. Oh. Ah mais là. Et le stop. Cassé. Putain le stop de merde. Le stop fille. Putain c'était. Oh c'était fat. Ça c'était gros. C'était croché. T'as cassé. Oh putain le stop pile de merde. Ils sont balèzes quand même. Ah ils sont balèzes. Non ? Ouais parfait. Bon voilà, ça y est, on plie le matériel, direction Millau pour aller faire un petit coup du soir et demain on pêche avec Toche, normalement.
Donc là c'était sympa au coup, on s'est bien amusé, on a fait pas mal de poissons. 5 kilos. Ouais, facile, ouais, 5 kilos de blanc chacun. Brèmes d'un kilo, quoi. Ouais, vous avez pas vu toutes les brèmes, on en a fait pas mal d'autres. Vous en avez vu quelques-unes. Je me fais casser, je sais pas pourquoi. Voilà, et s'il se fait casser, moi je fais quelques jolis poissons. On n'a pas eu trop de décrochés. Voilà, c'était bien. Une casse. Ouais, une petite casse. Et sinon c'était asticot, apportage. C'est facile, ouais, ça. Facile, vraiment facile, 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 facile. Bon, c'était sympa en tout cas, on a bien rigolé, on s'est bien amusé. Et là, on part pour essayer peut-être de faire quelques chevennes si on arrive assez tôt à Millau. Jour 3, je crois. On est arrivé au Salagou. Le Salagou qu'on a pêché l'année dernière, ça fait plaisir de le revoir. Et on est avec. Avec un connard. Un connard, comme il dit. Salut. Toche. T'as un bel appareil, toi, une forêt. Il est pas mal, hein. Ouais, ça va bien. Bonjour. Bonjour, les poissons, les pêcheurs. Allez, les flottes. C'est là où on va pêcher. C'est là où on va faire plein de poissons. Enfin, j'espère. J'espère. Allez. Poisson pour Alexis. C'est joli, ouais. Cette attaque qu'il a mis. C'est avec le pop qui là. Tu sais qu'il fait beaucoup de bruit. Ouais. Oh oui. Il est énervé. Il est vraiment énorme. Ouf. Il est pas loin du mètre. Tu l'as vu déjà? Oui, je l'ai vu. Il est pas loin du mètre. Pourquoi c'est un brochet? Ah oui, oui, c'est sûr. Il est pas loin du mètre, il est pas loin du mètre. Allez. Tu veux que je l'épisode ou... Ouais, je veux bien. Oh non, quand même pas. Il est pas au mètre, mais il est joli. Il est 80-90, ils y sont, ouais. Ouais, il est 80-90, ils y sont. Tu me fous un gros combat. Alors, attends. Toi, tu me fais faire 3000 trucs en même temps. D'accord. Il me l'a coupé. Ah, il est beau. Il frappe. Hein. Il est en 37. Putain. 1 mètre. Il est pas maîtré, non, mais il est 80-90, il y sent. Yes! Bravo, champion! Yes! L'attaque qui va mis, j'ai pas l'attaque qui va mis, mais. Ça pique. Je sais plus c'est quoi le nom. Ça met des gros pop. Ça fait bien. Ah ouais. Ça ressemble à une grenouille vraiment. Quand ça. Oh, c'est petit. Ça. Ah ouais. Il m'a pas entamé le fluoro du tout. Putain, t'as de la chance. Il y a des trop grosses dents, ça passe entre les dents. Ça sent le cendre. Pas de coup de tête. Ah non. Perche par le travers, quoi. Ah merde. Perche quand même. À cette profondeur, c'était pas vraiment volontaire. Hein. Tu crois qu'elle est pas venue voir? Ah si, elle tournait autour. Hein. Ça veut dire qu'il y en a en dessous. Hein. Il y en a en dessous, ouais. Vers de là, dans une épisode, et celle-là, par contre. Ouais. Tu vas pas sur l'épisode? Ouais. Ou tu veux que je la mette sur mon repose canne, comme j'ai beaucoup de canne?
pourquoi pas, ouais. On va mettre là. Ah, elle monte sa dorsale. Petite perchette. Hop, dans l'épuisette. Fin de session Salagou, dur. Dur. Alexis s'en sort bien. Ouais, ça. Quand t'as insisté, ça a pas payé. Ouais. Bah j'avais fait dire que j'avais des leurs un peu spéciaux aujourd'hui. J'avais tenté un truc pour une vidéo et c'est pas passé du tout. Comme quoi. Ça arrive. Mais ça arrive, moi. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour le bien d'une chaîne YouTube alors. Ouais. Et Alexis qui s'en sort bien, moi qui fais malencontreusement une perche, une perchette et je rate 2-3 poissons. Pas glorieux. Y'a que lui qui. Ouais. C'est amusé, qui a fait un joli brochet quand même. Ouais, bravo à lui. Franchement, beau poisson pour ici, c'est un beau brochet. Ouais, un beau brochet. Au popper en plus. Au popper, ouais, avec une attaque. Il était en surface, il a envie de faire du beau poisson. Mais... On n'a pas pu filmer l'attaque, mais une attaque mais monstrueuse. Ouais. Et un beau poisson. Bon, ouais, c'est cool. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer à Millau et on va essayer de se faire une petite pêche du chub à Millau en ville. Du soir. Voilà. Du soir, après et la sieste. Ouais, en surface aussi. Ouais. Après une bonne sieste, parce que ce matin ça a piqué les 4h30 quand même. Voilà, mais c'est ce qu'il faut là, faut pêcher à la fraîche. Ouais, à 9h, tu vois, il n'y avait plus rien. Ouais. On a insisté jusqu'à quoi, midi, 1h là, on a, à part les petites perches. Ouais, c'est plus d'actifs. Il n'y a que les petites perches, rien, on fait plus rien. Allez, donc, voilà. C'est parti. Il y a un peu de vent, j'espère que ça s'entendra pas trop et surtout que ça ne nous gênera pas trop pour pêcher. Il y a Tosh là, il y a Alexis juste là. Ici. Et puis on va essayer de faire une pêche du chevesne au leurre de surface. On va essayer de faire quelques belles images. Allez, parti. Sans entendre des abonnés. Ha 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 ha.